Début d'audience ce matin au tribunal administratif de Nîmes, opposant l'ASPIC et Nîmes Métropole. Un ultime face-à-face pour débattre sur la validité du dossier Tango+. La communauté d'agglomération a lancé un vaste projet. Ce projet peut être attaqué comme n'importe quel projet en France et le juge statue. Je note que le rapporteur public a proposé de statuer sur la base de simples moyens de forme. Il n'a absolument pas remis en cause l'intérêt général de l'opération. Du côté de la défense, les propos du rapporteur public sont interprétés différemment. Donc le rapporteur public a proposé au tribunal donc, d'annuler les délibérations de la communauté d'agglomération de Nîmes, donc du projet de TCSP. Il a retenu trois moyens. Donc le premier moyen, c'est une absence de transmission du dossier au service de l'État. Un deuxième moyen, c'est une insuffisance de l'étude d'impact, notamment par rapport aux problèmes de circulation qui n'ont pas été suffisamment étudiés. Donc il y aura des problèmes de fluidité du trafic. Dans la majorité des cas, le président du tribunal administratif suit le rapporteur public. Le trambus risque donc d'arriver au terminus plutôt que prévu. Verdict le jeudi 18 octobre. Les deux militants de Greenpeace qui avaient réussi